c'est à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour différencier un vrai chargeur d'iPhone à un faux chargeur d'iPhone. C'est parti pour la vidéo. Je vais vous expliquer trois points importants pour reconnaître un vrai chargeur Apple à un faux chargeur pour les iPhones et donc Apple. Voilà. Il faut faire très attention de ne pas tomber sur une contrefaçon comme celle-ci que je vais vous présenter dans la vidéo. Premier point pour reconnaître donc les chargeurs que pour les iPhones. Donc vous regardez le poids. Donc celui-là est bien plus léger que l'original d'Apple. Voilà. Premier point, c'est le poids. Le deuxième point à savoir, c'est la taille. Voilà. Donc si vous le regardez, celui d'Apple, au niveau de la taille, sera bien plus fin que celui la contrefaçon, voilà, qui est ici. Donc le vrai et le faux, voilà. Donc vous remarquez bien que la taille, c'est pas la même, voilà. Donc deuxième point, vérifiez bien la taille. Deuxième point pour savoir si c'est un vrai chargeur d'iPhone, vous regardez là, les écritures. Donc là, il y a le logo Apple, ce qui signifie qu'il vient bien de chez Apple. Ensuite, là, c'est conformité européenne. Donc celui-là, c'est le vrai chargeur. Il vient de chez Apple. Voilà. Tandis que celui-là, donc déjà, c'est pas le même design, si vous regardez. Voilà, donc il y a des trucs bizarres sur le côté en plus. En dessous, c'est pas pareil que là. Voilà, donc on voit bien que c'est pas les mêmes chargeurs. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a beaucoup moins d'écriture que là. Il n'y a pas le logo Apple. Donc on voit très bien tout de suite que c'est pas le vrai chargeur d'Apple, voilà. Faites très attention si vous commandez un nouveau chargeur, par exemple pour votre iPhone. Faites très attention parce que si vous tombez sur une contrefaçon, ça peut devenir dangereux. Parce que les composants sont pas les mêmes, voilà. Et il chauffe beaucoup, beaucoup celui-là, comparé à celui-là. Il charge moins vite, il chauffe beaucoup, donc plein de points qui sont un petit peu risqués, voilà. C'est tout pour cette vidéo, comment reconnaître un vrai chargeur d'iPhone à un faux. Voilà, donc faites très attention en achetant votre chargeur d'iPhone, voilà. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire en commentaire si ça vous a plu, si c'était intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et pour une prochaine vidéo. Je laisse mon Instagram ici, là, pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, salut pour une prochaine vidéo. You used to call me on my cell phone. Night when you need me.